du quoi famille. C'est comment? Voilà. Il y a quelque chose à vous dire. Il y a quelque chose à vous dire. Si vous restez... Il y a quelque chose à vous dire, hein. Si vous ne respectez pas l'homme, respectez Dieu, c'est important. C'est très important dans la vie. Moi, par contre, j'ai perdu quelqu'un. J'ai perdu un gars. J'ai perdu un frère. J'ai perdu ma moitié. Ceux qui ont fait ce qui est vu, ceux qui ont fait ça, ceux qui ont déshabillé mon frère, mon ami, ils vont payer ça un à un, tous ceux-là. Ils vont payer ça. Ils vont témoigner. Ils vont témoigner pourquoi ils ont fait ça. Ils vont payer ça. Il ne faut pas vous aller accuser les Chinois. Les Chinois n'ont rien fait. Les Chinois ne peuvent pas se comporter comme ça. Ils ne peuvent pas se comporter comme ça. Ceux qui sont allés faire ça sont des voleurs, des malfrats, des chiens, des barbiers. Ce sont les enfants des putes qui ont fait ça. C'est que si le gouvernement, c'est que si le ministre va se charger de ça, mener les enquêtes pour faire. Eh hey, Seigneur, le ministre va mener ses enquêtes. On a ciblé des gens. C'est là ici, vous allez témoigner un jour. Pourquoi vous avez fait ça là? Vous allez témoigner. C'est normal. C'est un champion qui est parti. Normalement, on doit respecter son corps. On doit l'enterrer dignement. Et vous, les barbiers, les fils de pute. Ouais. Vous êtes des enfants du diable, vous tous. Vous êtes des maudits. Oui. Vous êtes des maudits même. On a vu que vraiment vous respectez même pas Dieu. Vous là même, ça en fait directement. C'est dit vous là même là. C'est dit vous là. C'est dit ça en fait même directement. On dit dans la ville, quand tu es né garçon. Personne n'est immortel sur la terre. Tout le monde a mouru. Tout le monde. Voilà. Mais respectez quoi des gens? Respectez quoi des gens? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh putain. Ouais.